Bonsoir. Ça va bien? Oui! Bienvenue à la Maison de la culture antique. Bienvenue au jour 3 Babel Musique. Puis on est encore en forme, puis on est encore content, puis il y a encore un autre show demain, puis ça nous fait vraiment plaisir. Ce soir, c'est une aventure particulière parce que l'artiste Victor Simon a émigré à Montréal en 97. Et ils avaient formé ensemble Montréal Tango. Et à l'époque, je travaillais avec Musique Multimontréal et on avait fait des tournées avec eux, puis ils retournaient finalement en Argentine. Ils enseignent là-bas à l'université, l'Université de Buenos Aires. Et puis là, il m'écrit, puis il me dit qu'il vient au Québec. Ah oh ben! Puis le bonheur de ça, c'est que, bon, on l'a premièrement ce soir, mais c'est aussi qu'il réinvite des artistes avec lesquels il a travaillé quand il était aussi au Québec. Et puis là, j'ai appris toute une histoire. Imaginez-vous donc, ils viennent tous de Santiago del Estero. Je prononce-tu comme faux? Estero. Et puis, Victor avait vu, quand il était jeune, il avait grandi dans le même quartier que le danseur, et puis, mais il ne se parlait pas. Fait que quand il est arrivé ici à Montréal, Lopez avait aussi émigré à Montréal. Ah ben là, ils se sont parlé. Ils sont devenus amis. Et puis, c'est Luis Lopez, le danseur. Et puis, Marissa, celle qui va danser avec Luis, eh bien, quand il était jeune, la petite enfance de 6 ans jusqu'à 12 ans, ils dansaient ensemble dans les fêtes populaires. Puis là, ils vont toujours dans le même village, là. C'est quelque chose. Et puis, l'autre, il y en a un autre, là. T'as une minute, j'ai pas fini. Il y a Nicolas Castillo. Il vit là-bas en ce moment, dans ce même village-là. Et Victor l'a découvert à Buenos Aires. Et puis là, ben, il est ici parce qu'ils vont faire un concert à Québec. En tout cas, c'est tout qu'un village. Il faut y aller. En tout cas, on est vraiment contents. Vous allez découvrir des personnes. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils viennent assister à une soirée tango. C'est pas tout à fait ça. Il y a de la danse. Il y a de la danse traditionnelle. Il y a de la chacarera. Il y a samba. C'est très différent, c'est de toute beauté et surtout, il y a beaucoup de création parce que Victor Simon est issu d'une famille de musiciens, de grands compositeurs et il va ouvrir ce concert au piano. Vous allez pouvoir l'apprécier pour ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui l'aiment, bien, vous allez l'aimer encore plus. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une agréable soirée et vous prie d'accueillir Victor Simon. Bonsoir, ça va bien? Oui. Merci d'être ici, chers amis, belle famille du Québec. Et bien que Liet nous a présenté, m'a présenté, pour moi, je me sens privilégié ce soir parce que ça me donne l'occasion de présenter pour la première fois des nouvelles pièces pour piano solo que j'ai composées récemment. Une suite de 4 mouvements intitulée Lejanías. Avec Lejanías, j'ai voulu évoquer des paysages réels, imaginaires de l'Argentine. Je vais en jouer 2 premières. Je les présente parce que j'essaie d'évoquer les grandes étendues, les pampas, lacs, glaciers, vus du haut du ciel à vol d'oiseau. Et la tristesse et solitude d'une femme qui tente d'endormir son bébé lorsqu'un feu des forêts brûle sa maison, son champ, sa récolte, ses illusions. Thank you.
Des rivières baignent les berges et aussi les pieds des habitants suffoqués par la chaleur. Parfois, la rivière s'ennuie et s'échappe de son lit. Ils habitent dans les montagnes, à des hauteurs modestes et luxuriantes. Ils aiment enlacer leur corps dans quelques danses, fragments de bonheur, le temps de musique. Thank you.
Waldo de los Ríos, peut-être c'est un nom inconnu, mais c'est un compositeur argentin qui était connu au monde, qui était un avant-gardiste dans le folklore, un innovateur, un incroyable musicien, pianiste, compositeur, directeur, chef. Il a fait connaître la musique classique dans une ambiance populaire parce que c'était le premier qui a mis la guitare électrique, la basse électrique et la batterie dans un orchestre de chambre. Et avec cet ensemble, jouer Beethoven, jouer Mozart. Il était connu dans le monde. Mais il a composé de folklore, il a composé de tout. Et ce soir, je vais vous interpréter une version d'une pièce pour quatre mains intitulée Passionaria, que c'est une fleur de l'Est argentin. Passionaria, dans ce cas, c'est une danse qui appartient au nord-est de l'Argentine. Enamorada, Enamorada, l'amoureuse, c'était le titre de l'album de l'ensemble Montréal Tango. C'est une de mes compositions que j'ai arrangée pour l'ensemble, pour le quintet. Et ce soir, je voulais l'évoquer parce que ça fait partie de mon histoire à Montréal. Je voulais l'évoquer en une version courte pour piano. C'est une valse. Il s'agit de une petite poupée ballerine d'une boîte de musique qui rêve de danser dans un grand salon en attendant son prince charmant. Thank you.
dans le monde du tango, il y a des pièces, il y a des compositions qui vont rester pour l'éternité, peut-être. Il y a des belles chansons, des belles œuvres. Et ce soir, je vais vous interpréter une des pièces, peut-être un pilier, la colonne, une des colonnes du tango. Une des pièces qui nous représente. Pour ce soir, j'ai voulu faire une version pour piano solo de la version originale en quintette d'Astor Piazzolla. Et avec ça, je vais finir ma première partie avec Adios Nonino.
Et c'est le moment de présenter mes amis, mes frères, mes camarades qui vont m'accompagner pour le reste de la soirée. Sans plus tarder, à la percussion, Alberto Torres, à la contrebasse, Christophe Papadimitriou. On les applaudit. Ensemble, on vous a interprété une pièce de ma famille, une danse de ma région. Merci beaucoup. Je crée des pièces inspirées de mes premiers moments à Montréal. Quand j'ai décidé de passer mes premiers 6 mois, c'était en mois de juillet, il faisait beau. Puis un ami à moi m'est amené au pied du Mont-Royal. Et j'ai découvert le tam-tam un beau dimanche. Et je me suis inspiré du tam-tam pour composer la pièce qui s'intitule « Du Mont-Royal » qu'on vous interprète tout de suite. Thank you.
Alberto Torres, Christophe, Papa Dimitriou. Voilà. Après cette joie, cette fête, je profite comme ça que les gens sont, vous êtes vraiment ouverts, sensibles, parce que je tiens à dire une chose. La prochaine chanson, c'est une samba argentine. C'est une des pièces les plus belles de notre répertoire. C'est une samba dont la musique appartient à ma famille, le frère Simon, et le texte à un parolier poète de Santiago del Estero. Mais c'est une pièce qui m'accompagne tout ce temps-ci, parce que c'est une ode à la femme de ma ville. Mais pour moi, ce soir, et quand je la joue, je dédie aux femmes. Mais surtout, pour moi, c'est une prière pour qu'on arrête avec la violence. Il y a beaucoup de violences de genre dans les familles, dans la pauvreté, dans la situation qu'on vit en Argentine, c'est de plus en plus violent. Et cette samba, bien qu'évoque à la femme qui en souffre vraiment la violence, pour moi, ça représente une prière. Et elle s'appelle « À la mujer santiagueña ». Je vais la évoquer de cette manière ce soir.
mesdames et messieurs, Marisa Jorge Luis López. Marisa Jorge Luis López, merci. Vous avez vu la samba argentine et un gâteau. Et c'est le moment aussi de présenter, comme Liette Gauthier nous a dit tout à l'heure, un jeune musicien qui vient de ma ville, qui est ici aussi pour ce grand show Tango Flamenco à Québec. Sans plus tarder, Nicolas Castillo. On l'applaudit. Un jeune joueur de bandoneon. Un instrument du tango, mais surtout un instrument du folklore argentin. Il va nous interpréter une chacarera de notre ville. Nicolas Castillo, mesdames et messieurs. Merci. Et maintenant, une de mes compositions que j'ai enregistrée avec l'ensemble Montréal Tango, une milonga. Thank you.
Ainsi, on arrive à la fin. Parce qu'il y a un autre spectacle qui nous attend au cabaret. Et nous, on a hâte aussi de partager avec ces gens-là. Donc, après notre dernière pièce, je voudrais vous joindre au rôle d'entrée pour vous saluer. Je remercie à tous cette belle famille parce que à Montréal, je n'ai pas de la famille, mais j'ai mes amis qui sont mes familles. Ouais, il y a des gens, vous savez, je suis venu avec des fans ce soir. J'avais besoin du public, donc j'ai invité tous les amis. Je m'excuse. Mais ce soir, je me sens, comme je l'ai dit au début, privilégié parce que j'ai vécu l'éclipse ici. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Liette l'a dit tout à l'heure. Nico, moi, Luis et d'autres personnes qui sont ici dans la salle, mais surtout nous trois, nous sommes nés dans le même quartier. Et le quartier s'appelle 8 avril. C'est quelque chose, on l'a vécu ici. Un 8 avril, chanceux d'avoir vu ce phénomène incroyable. Je me sentais touché, ému comme tout le monde. Et alors, nous allons vous quitter pour une pause que nous allons faire tout à l'heure au cabaret. Mais je tiens à remercier la Maison de la Culture antique, toute l'équipe, toute cette belle équipe, à l'éclairagiste, au technicien des sons, à Luc, à Patrick, à Roxane, à Martine, Liette. On les applaudit. On les applaudit tous. Parce que c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui m'échappent en ce moment. Son nom m'échappe, mais je me remercie elle. Et puis, pour m'avoir permis d'être ici dans ce festival merveilleux Babel Musique, depuis quelques années, j'espère que bientôt, et je le souhaite, je croise mes doigts, de revenir et vous partager de nouveaux projets avec vous, avec tout le monde. Et alors, merci. Nous allons vous quitter avec une pièce emblématique aussi de Piazzolla. C'est un des tangos incroyables qu'il a composé. Donc, merci vous tous et vous toutes. Merci d'être ici. On se dit à tout à l'heure avec Liber Tango. Thank you.
Marisa Jorge Luis López, Christophe Papadimitriou Nicolas Castillo, Alberto Torres, Victor Simón.